Alors les amis, là on est en départ et tout, là on commence et on va à la chasse les amis, première fois sur ma chaîne et tout, et on y va, il est à peu près 9h30 et tout, Arthur Lifestyle, vous savez que ça c'est sa spécialité, la chasse et tout, sa spécialité et tout, donc voilà, pour la première fois je vais suivre Arthur Lifestyle dans ses daily life, for the first time I'll follow Arthur Lifestyle in his quest, his quest. Something that he knows how to do well. And Jazz is at the back. So let's go with the guys here. Hello! Are you guys ready? Okay, yeah. Let's go, guys. Hey, Dananas. Come on, let's mention Danana. This is the moment we have all been waiting for. I've been in Togo for quite a while now, and this is the moment I've been waiting for, the hunting moment. Come on! Remy, tu ne finis pas? Come on! Ça te manque avec moi. Ça te manque avec moi. Come on! The rest are following us. So, I don't know how he's going to play out, but I'm sure he's going to be fun. Alors nous venons de faire plus de 30 minutes de marche, mais nous ne sommes pas encore arrivés à là où nous allons. Et on continue toujours. Comme c'est sur les montagnes, c'est un peu plus difficile en fait. Les marches sont un peu plus difficiles que sur la terre normale. On va conseiller Fondé, non, Fondé, comment conseiller, non. Attends, je vais montrer, ça c'est le jus, ça c'est le... Ça c'est qu'on prend pour faire le jus de tamarin. C'est le tamarin. Ce qu'on prend pour faire le jus de tamarin. Et c'est mangeable? Ouais, c'est mangeable, le gars. C'est doux, quoi. C'est doux, non? Goûter, quoi. Ça a le même goût. Oui. Là, on est au... Après combien? 45 minutes de marche, on est au point de départ. Et Arthur va essayer de droner un peu au-dessus, ouais. De droner un peu au-dessus pour voir un peu le terrain sur lequel on va chasser. Comme ça, Arthur. Il va attraper. Arthur va amener le drone là au-dessus du terrain sur lequel on va chasser pour voir un peu tout ce qu'il y a et ramener ça pour qu'on ait l'image, quoi, en fait. L'image, la vidéo du terrain avant d'y aller. Voilà un peu ce que ça a donné et tout. Donc on y va. Dès que Arthur finit, on voit la vidéo et on lance la chasse. Famille la main. Let me do famille la main. Let me do for now. Come back. I'm a same last. Let him. Okay. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Là, on va en pleine forêt là. Là, où les choses sérieuses vont commencer. Aïe aïe aïe.
J'entends aussi les cris des chiens. Les chiens sont en train de d'aboyer. Et on nous dit par ici. Voilà. Ça va où ça? Ça va où ça? Quelle maison? Je suis à l'aide. Ok. Il y a un chemin. Le chemin? Oui, le chemin. Le verbe. Il n'y a même pas presque chez nous, mais là on a tout de frais. Frais, un truc pour aller voir. Wow. Enfin, il y a un chemin. Oui. Mm-hmm. Ils sont là. Ils sont loin. Je sais pas. Mais ils étaient ici. Ils doivent pas être loin. Hello! Ok, ils sont par là. Hello! Ils sont un peu vers ce côté-ci là. Mais là, il va falloir. Est-ce qu'il y a un chemin ici fou? Ou bien encore faire la même chose. Enfin, on a retrouvé le reste du groupe. Et ils sont ici. Jazzy! You here? Yes, I'm here. Ok, now. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ananas, non? On est dans un champ d'ananas. D'ananas, comme on est dans un champ d'ananas. C'est acide, hein? Ouais. Non, il y a là. C'est sympa, le soleil ne frappe pas sur ça. Mmh. On fait tout là. Okay. Good.
that they won't stress themselves out trying to get something from us. So we've seen how it is, and it's not easy hunting. So I have a suggestion that okay, turn your camera. C'est la saison pluvieuse en fait, la forêt est dense. Oui. Et donc du coup c'est un peu compliqué de... Voilà, de rentrer dedans. De rentrer dans la forêt. Voilà. Alors si c'était la saison sèche, là c'est mieux. Voilà. Là ça sera mieux. Parce qu'il y a le feu qui va brûler et maintenant l'homme puisse courir même dedans sans rien savoir. Mais actuellement... On n'a pas de chien, c'est ça non? Voilà, manque des chiens aussi. Parce que c'est les chiens qui peuvent renifler... Aller, tout ça, mais là on n'a pas de chien, donc ça va être compliqué. En plus, c'est la saison pluvieuse où tout est rempli, vous pouvez regarder là, tout est absolument rempli. Tout. Voilà. Donc, c'est compliqué de trouver. C'est touffu. C'est touffu, vraiment. Voilà. Donc c'est compliqué. Là, on est en train de marcher depuis, je ne sais pas, 1h30, allant vers 2h de temps, mais il y a air quoi. Donc je pense que voilà, on va essayer de faire le point sur tout ça et puis voir si on peut peut-être retourner. Mmh. Là, c'est bon, il fait souvent nous. Bon, ok. Mais Caron. Yazi, bend down. Please, bend down. Hein? Go. Watch yourself. Ça c'est le fumé, moi. Do not test it. I don't test. Yeah, I don't want to test. You don't want to test. As I see the face of actual. It's just a bit sour. It's not a bit, it's sour. Seriously. Je ne veux pas tester, ça c'est le fumé, mais je n'ai pas envie de tester parce que là, quand tu l'as testé, il a fait une mine bizarre là, donc moi je n'ai pas envie de tester ça. Mais je ne sais pas comment on l'appelle, si vous le reconnaissez, essayez de le mettre dans les commentaires. Jusqu'à arriver à la maison. Là, on est en train de dire de repartir par derrière, mais ça fait 1h30 de marche à faire. Donc, le mieux, c'est de contourner comme ça et de revenir à la maison. C'est mieux que de faire demi-tour. Au moins, contournant, si on voit quelque chose en chemin, on peut toutefois chasser. Là, il court pour rester devant. Et nous, on va les attendre. Il a vu en fait des canards, pas des canards, des daims sauvages. Donc voilà, il va essayer de contourner pour voir s'ils vont monter dans l'arbre. Ensuite, il va tirer dans le tas, s'ils sont beaucoup. Donc là, nous allons entrer directement dans la forêt et tout. To scare the animals out.
Remis les vieux âmes. Les vieux. I don't know how I'm going to walk. Là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est... That's how they make chapeau. It's gonna burn for a long time, a very, very long time. C'est comme ça qu'on fait les... Les charbons de bois qu'on utilise pour la cuisine. Les charbons de bois. Ouais, c'est le charbon de bois, ça. Follow the leader, 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 follow the leader. Allez, on retourne à la maison là. Ah ouais les gars. Après 4 heures de marche, on est parti à 9h30. De 9h30 là, il est presque... Il est quelle heure ça? Midi 55, 13h, ce qui fait à peu près 4 heures de marche. Et malheureusement, on n'a rien trouvé comme viande dans la forêt et tout. Après la chasse, on n'a rien trouvé, rien du tout. Mais voilà, c'est ça la chasse en fait. Il y a des jours où tu peux trouver plein, il y a des jours où tu ne trouves rien. On est un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est un groupe de 9 personnes et on n'a rien trouvé. Après 4 heures de marche dans la forêt, pas juste dans la forêt, mais à la montagne en plus. Donc c'était vraiment, vraiment compliqué. Mais on garde espoir. Et j'espère que vous avez aussi aimé tout ce qui est... vous avez aimé le trip, vous avez aimé l'aventure. Et voilà. C'est pour la prochaine. À la prochaine. Ouais. Voilà. Ouais. C'est la chasse, ça. Oui. Ça peut arriver. Oh. Mais on garde courage. On garde espoir. Oui. À la prochaine. Voilà un peu. Les amis, voilà. Je pense que on arrive au village très bientôt. Et après, direction Lomé. Voilà. Je vous aime les gars. Ciao, ciao. N'oubliez pas de faire tout ce qu'il y a pour soutenir. Parce que 4 heures de marche sans rien trouver, c'est un peu stressant et tout. Donc voilà. J'espère que vous allez liker, faire tout ce qu'il faut pour me donner de la force. Je vous aime les gars. It's your boy. Speed in the building. Toujours la bonne humeur. Bang. Les gars sont en train de se reposer. Après 4 heures de marche, boire un peu d'eau et tout. C'est normal les gars.